avant la messe. Ah là, tu filmes, là, toi? Ouais, okay. Comme toujours. Ça va être ton combientième? Félicitations pour cette pause-là pour l'entrevue. Okay. C'est mon dixième, Herbie. Sixième? Oh, ouais. Mon Dieu. Donc, une année anniversaire importante. Ouais, mais, tu sais, à quelque part, hein, faut livrer une joke. Tu sais ce que c'est, Herbie? Ouais. Faut livrer le stock. S'il n'y a pas de stock, il n'y a pas d'anniversaire. Un anniversaire, c'est joyeux. Si c'est pas drôle, c'est pas joyeux. Fait que le 10, c'est pas important. Faut livrer le stock. Est-ce qu'on va faire un numéro d'ouverture autour du chiffre 10? Non, monsieur. Non. Parce que je sais que tu as déjà tout préparé. Tu es déjà presque prêt. Presque, là. Hein, mais, je connais. C'est mon dixième à moi, mais c'est le 37e de la disque. Ouais. Donc, tu sais, il n'y a pas de raison de souligner la rondeur. Ben, t'as pas des catégories. Tu pensais-tu à quelqu'un? Non, non, moi, c'est une année musicale qui a été sur le ton de quoi, d'après toi? Écoute, moi, j'ai observé que le ton, je dirais, de la persévérance et la longévité, parce qu'on a un noyau d'artistes nommés cette année, qui étaient des jeunes sensations il y a 7, 8 ou 9 ans, et qui maintenant sont le noyau d'artistes accomplis, que tout le monde aime, comme le Ariane Moffat, ou des gens comme Yo Marie-Pierre Arthur, qui en sont tous à leur 3, 4, 5e album. Là, les gens, si je compte ce qu'on fait avec Carquois, ça, c'est quand même quelqu'un qui est là depuis une dizaine d'années. Puis même chose pour Ariane Moffat, puis Marie-Pierre Arthur, tout ça, puis Patrick Watson et Bar Brothers. C'est que c'est pas juste recrue de l'année. Là. Je trouve que c'est vraiment des gens qui ont travaillé beaucoup, puis qui ont fait leur place, puis qui ont travaillé le terrain sur une longue période. Je suis ça heureux comme sélection cette année. Donc, la persévérance, c'est toi aussi, d'une certaine façon. La persévérance? Oui, parce que tu disais que cette année, oui, c'était sur le ton de la persévérance. Ouais. Tu exprimes ça aussi, tu es le symbole de la persévérance. 10 ans à l'animation d'un gala, c'est pas rien. Comment on fait pour se renouveler? Ça va être la question qu'on va te poser souvent, ça. Oui, mais elle est pertinente, puis elle est pas répondable, mais il n'y a pas vraiment de... En fait, c'est qu'il n'y a pas de truc, c'est juste de mettre le maximum d'heures possible dans notre vie. C'est le maximum d'heures que je peux mettre là-dessus, c'est de créer le plus grosse banque de matériel possible. Plus t'en écris, plus t'as chance d'avoir des bonnes affaires. Il n'y a pas de formule magique. Je suis jamais tombé sur une idée qui m'évitait d'écrire pendant 3 mois. Donc c'est la quantité, je veux dire. Le truc, c'est la quantité. Donc là, t'es en mode préparation, en mode création. Donc ça fait depuis combien de temps que t'as arrêté de voir? 1999. Non, là, ça fait après 2 semaines à peu près. Comment tu fais ça? Ah, c'est le fun! Ah oui, parce que t'es plus patient. Là, j'ai pris un petit verre hier, j'avais une occasion. Mais j'ai fait un 12 jours. Là, j'en fais comme un 28 jours. Comme ça, il y a ma fête. Mais non, ça fait beaucoup de bien. Au party des Gémeaux, t'as-tu pris un petit? Non, je peux pas aller. T'as pas été? La pousse. Ah, t'as pas gagné, fait que t'as pas été. Non, mais. Non, c'est pas ça. J'avais de quoi à faire après. Ah ouais? Ben ouais. J'avais des plaies, Herbie. T'étais en nomination justement pour le gala. Est-ce que t'étais déçu d'avoir laissé ton trophée qui t'était dû à quelqu'un d'autre? Oh non, sincèrement, non. J'ai eu le bonheur de l'avoir sur 3 ou 4 fois pour l'animation de la disque, le Gémeaux. Puis c'est une catégorie, tu sais, nommée comme Jean-René, puis Patrick Sécuyer, puis Guilla, des fois. Là, c'est Jean-René qui l'a gagné. Oui, je me trouvais premièrement tellement chanceux des fois que je l'ai gagné. Puis je trouve ça tellement normal que Jean-René le gagne. T'sais, moi, c'est un gars-là, je suis sur 5, 25 minutes, Jean-René fait des émissions drôles et pertinentes pendant 12 mois. C'est tout à fait mérité. Fais-moi la face que tu as faite quand on a dit Jean-René Dufort. C'était quoi donc? Et sincèrement, c'est genre. Ah ouais. Fait que la face que tu avais envie de faire. Non, c'est la même! C'est la même. Okay. Il y a eu des fois où j'ai fait, ben voyons, tabarnak. Il y a eu de ça. Pas dans le passé. Mais non. Faut être bon joueur, ça. Merci. Et bon gala, bonne préparation. Puis tu mérites un verre quand même avant le gala aussi. Ça sert à rien dans 2-3 semaines. Merci.